Dans la vie, il y a deux grands mystères, l'amour et l'argent. Qu'est-ce que l'amour? La question a été explorée à fond, dans les romans, les chansons, les films, à la télévision. Mais pas la question, qu'est-ce que l'argent? La théorie de l'argent n'a jamais inspiré de films à grand succès, et ça n'a rien d'étonnant. Rien d'étonnant non plus, qu'elle ne soit presque jamais mentionnée dans nos écoles. D'où vient l'argent? La question évoque généralement l'image de la fabrication des billets ou des pièces. En effet, on croit souvent que c'est le gouvernement qui crée l'argent. C'est vrai, mais seulement en partie. Ces symboles en papier et en métal que nous appelons l'argent sont en fait fabriqués par une agence fédérale. La monnaie. Mais la plus grosse quantité d'argent en circulation n'est pas fabriquée par la monnaie. Tous les jours, des montants colossaux d'argent sont créés par des entreprises privées, par les banques. On croit souvent que les banques prêtent l'argent, que les déposants leur ont confié. Mais pas du tout. En fait, les banques créent l'argent qu'elles prêtent. Pas à partir de leurs bénéfices, ni à partir de l'argent déposé, mais directement à partir des promesses de remboursement faites par les emprunteurs. La signature d'un emprunteur l'engage à payer le montant de son emprunt plus des intérêts. Sinon, il perd la maison, la voiture ou tout autre bien qu'il a acheté. C'est une très lourde obligation pour l'emprunteur. Contrepartie, que fait la banque ? Elle crée le prêt par un tour de passe-passe. Elle l'inscrit au compte de l'emprunteur. Ça vous semble un peu exagéré? Impossible, direz-vous? Voyons un peu comment ce miracle bancaire se produit. Au fil de l'histoire, l'argent a pris bien des formes. Il fallait simplement que l'argent soit portable et qu'un nombre suffisant de gens soient confiants de pouvoir l'échanger contre des choses de valeur bien réelles, comme de la nourriture, des vêtements ou une maison. L'argent a pris la forme de fèves de cacao, de coquillages, de pierres et même de plumes. L'or et l'argent étaient des métaux attrayants, faciles à travailler. Certaines cultures sont devenues expertes dans ce travail. En frappant des pièces de monnaie, unité standard dont le poids et la pureté étaient certifiés, les orfèvres ont facilité le commerce. Bien vite, pour protéger tout son or, l'orfèvre a eu besoin d'une chambre forte. Les villageois sont venus frapper à sa porte. Ils voulaient louer un peu de place dans cette chambre forte pour garder leur or et leurs objets de valeur bien en sécurité. L'orfèvre a fini par louer tout son espace dans sa chambre forte. La location lui a rapporté un petit bénéfice. Les années sont passées et notre orfèvre a constaté une chose fort importante. Les déposants venaient rarement chercher leurs pièces d'or et ils ne venaient jamais tous en même temps. Il faut dire que les reçus faits par l'orfèvre étaient utilisés sur le marché comme s'ils étaient véritablement l'or qu'ils représentaient. Cet argent papier était plus pratique que les lourdes pièces et les montants pouvaient tout simplement être écrits au lieu d'être comptés laborieusement. Entre-temps, l'orfèvre a commencé une autre affaire.
il s'est mis à prêter son or en demandant des intérêts. Comme les reçus devenaient de plus en plus acceptés à titre de paiement, les emprunteurs ont demandé leur emprunt sous cette forme. Et comme l'industrie prenait de l'expansion, de plus en plus de gens ont demandé des prêts à l'orfèvre. Alors, l'orfèvre a eu une idée plus géniale encore. Il savait que ses déposants venaient rarement chercher leurs pièces d'or. Il a donc pensé qu'il pouvait faire des prêts couverts par l'or de ses déposants. Aussi longtemps que les emprunts seraient remboursés, les déposants n'en sauraient rien. Et l'orfèvre, maintenant plus banquier qu'artisan, ferait de gros bénéfices. Pendant des années, en secret, l'orfèvre a tiré de bons revenus des intérêts sur les dépôts de ses clients. Maintenant gros prêteur, il devenait sans cesse plus riche et il commençait à étaler ses richesses. Les gens l'ont alors soupçonné de dépenser l'argent de ses déposants. Ensemble, ils l'ont menacé de retirer tout leur or si l'orfèvre ne s'expliquait pas sur sa richesse si soudaine. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la situation n'a pas tourné au désastre pour l'orfèvre. Malgré sa duplicité, il a pu montrer que les déposants n'avaient rien perdu. L'or était toujours en sécurité dans la chambre forte. Au lieu de reprendre leur or, les déposants ont demandé à l'orfèvre, devenu leur banquier, de leur verser une partie des intérêts. C'est ainsi que les banques sont nées. Le banquier payait un taux d'intérêt bas sur les dépôts et il faisait payer un dépôt d'intérêt plus élevé sur les prêts. La différence couvrait les frais de fonctionnement et ses bénéfices. La logique du système était simple comme bonjour et semblait être un moyen raisonnable de satisfaire la demande de crédit. Mais les banques ne fonctionnent plus du tout comme ça. L'orfèvre banquier n'était pas du tout satisfait du revenu qui restait après le partage des bénéfices avec ses déposants. La demande de crédit augmentait rapidement, mais ses prêts restaient limités par le montant d'or dans la chambre forte. Alors, une idée plus géniale encore lui est venue à l'esprit. Puisqu'il était le seul à savoir combien d'or il y avait dans la chambre forte, il pourrait prêter des chèques garantis par de l'or qui n'existait même pas. Aussi longtemps que les déposants ne viendraient pas tous en même temps réclamer leur or, personne ne le saurait. Ce nouvel arrangement fonctionnait à merveille et le banquier est devenu immensément riche avec les intérêts payés sur de l'or inexistants. L'idée que le banquier puisse créer de l'argent à partir de rien était trop outrageuse. Longtemps, personne n'a rien soupçonné. Mais le pouvoir d'inventer de l'argent est monté à la tête du banquier. Bientôt, l'importance des prêts et l'opulence du banquier ont déclenché de nouveaux soupçons. Certains emprunteurs ont demandé de l'or véritable plutôt que des chèques. Et les rumeurs ont monté. Plusieurs déposants fortunés sont venus réclamer leur or. La fin du jeu était proche. Une foule de gens brandissant des chèques se sont rassemblés devant les portes closes de la banque. Hélas, le banquier n'avait pas assez d'or pour couvrir tout l'argent papier qu'il avait émis. Pour la première fois, il y avait une ruée sur la banque. Et c'est un phénomène qui épouvante tous les banquiers. Ce phénomène de retrait massif a ruiné des banques individuelles et a endommagé la confiance du public envers les banquiers. Il aurait été simple alors d'interdire cette pratique de créer de l'argent à partir de zéro. Mais les immenses crédits offerts par les banquiers étaient devenus essentiels à l'expansion du commerce européen. La pratique a donc été légalisée et réglementée. Les banquiers ont accepté de respecter des limites sur les montants d'argent fictifs qu'ils pouvaient prêter. Mais ces montants fictifs restaient bien supérieurs à la valeur réelle de l'or déposé dans la chambre forte. Bien souvent, le taux était de 9 dollars fictifs pour 1 dollar en or. Des inspections surprises
permettait de faire respecter ces réglementations. Un arrangement a aussi été conclu. En cas de ruée sur une banque, les banques centrales soutiendraient les banques locales en leur prêtant de l'or. La bulle du crédit, créée par les banquiers, ne pourrait pas crever et le système ne pourrait pas s'effondrer. Sauf s'il y avait beaucoup de ruées sur les banques en même temps. Petit à petit, le système de réserve fractionnelle, soutenu par une banque centrale, est devenu le système monétaire dominant dans le monde. Et la fraction d'or qui garantissait l'argent créé par le processus de dette est progressivement arrivée à zéro. La nature même de l'argent a changé. Autrefois, un dollar en papier était en fait un reçu avec lequel on pouvait réclamer un poids fixe d'or ou d'argent. Actuellement, un dollar papier ou un dollar numérique peut uniquement être échangé par un autre dollar papier ou un autre dollar numérique. Autrefois, le crédit créé par une banque privée existait sous forme de billets de banque privée. Les gens avaient le droit de refuser ces billets, tout comme ils peuvent refuser un chèque personnel aujourd'hui. À présent, le crédit créé par une banque privée est légalement convertible en devises fiduciaires émises par le gouvernement, comme les dollars, les livres sterling ou les euros. Les devises fiduciaires sont des devises créées par un décret gouvernemental. Des lois en font la monnaie que les citoyens doivent accepter pour paiement. Alors la question subsiste. Si les gouvernements et les banques peuvent tout simplement créer de l'argent, combien y a-t-il d'argent dans le monde ? Autrefois, le montant total d'argent était limité par les quantités physiques des éléments utilisés comme garantie. Par exemple, pour créer plus d'argent basé sur l'or, il fallait trouver davantage d'or. À présent, on crée vraiment l'argent à partir de dettes. Chaque fois que quelqu'un fait un emprunt à une banque, de l'argent est créé. Le montant total d'argent qu'il est possible de créer n'a qu'une seule limite réelle, le montant total de la dette. Les gouvernements placent une limite légale sur la création d'argent fictif en imposant des règles sur les obligations de réserve fractionnelles. Mais ces obligations sont fondamentalement arbitraires. Elles varient d'un pays à un autre, d'une époque à une autre. Longtemps, il a été commun d'exiger que les banques aient au moins 1 dollar en or en réserve pour garantir 10 dollars d'argent dette. Aujourd'hui, les ratios de réserve minimale ne s'appliquent plus du tout au rapport entre argent nouvellement créé et or en dépôt. Elles s'appliquent uniquement au rapport entre argent nouvellement créé et argent existant. Aujourd'hui, les réserves d'une banque sont faites de deux choses. Le montant en devises bien réelles qu'elle a déposé à la banque centrale et le montant total de son argent dette. Petite illustration. Imaginons qu'une nouvelle banque vient de démarrer et qu'elle n'a pas encore de déposant. Mais ses investisseurs ont déjà fait un dépôt de réserve de 1 111,12 $ en cash. Le ratio de réserve est de 9:1. Étape numéro 1. La banque accueille son premier client pour un emprunt. Notre client a besoin de 10 000 dollars pour une voiture d'occasion. Avec un ratio de 9:1, la réserve déposée autorise la banque à créer légalement, comme par magie, 9 fois ce montant, soit 10 000 dollars. Ces 10 000 dollars n'existent nulle part physiquement. C'est de l'argent nouveau, tout simplement versé au compte de l'emprunteur en tant que crédit. C'est de l'argent dette. L'emprunteur peut faire un chèque pour payer sa voiture. La vendeuse de la voiture dépose les 10 000 dollars d'argent nouveau à sa banque. Contrairement à l'argent déposé à la banque centrale, cet argent nouveau ne peut pas être multiplié par le ratio de réserve. Il doit être divisé par ce ratio. Avec le même ratio de 9:1, il est donc possible de créer un nouveau prêt de 9 000 dollars à partir du premier dépôt
de 10 000 dollars. Étape numéro 3. Si ces 9 000 dollars sont déposés par une troisième personne, à la même banque ou dans une autre banque, ils permettent légalement un troisième crédit bancaire, cette fois pour 8 100 dollars. Comme les poupées russes qui s'emboîtent et deviennent toujours plus petites, chaque nouveau dépôt peut mener à un prêt toujours plus petit et cette série décroissante est infinie. Par contre, si l'argent fictif créé par l'emprunt n'est pas déposé à la banque, le processus s'arrête. C'est la partie imprévisible du mécanisme de création de l'argent. Mais le plus probable, c'est qu'à chaque étape, le nouvel argent sera déposé à la banque et que le processus se répétera bien des fois. Et que finalement, presque 100 000 dollars d'argent nouveau sera créé. Tout cet argent nouveau est créé à partir du processus de dette uniquement. Et tout ce processus est légalement autorisé par le petit dépôt de réserve initial de 1 111 $ et 12 cents qui demeure intouché à la banque centrale. Autre facteur important. Avec ce système ingénieux, les registres de chacune des banques doivent montrer que la banque a 10% de plus en intérêt qu'en prêt. C'est donc un incitatif très fort pour une banque de solliciter des dépôts afin de pouvoir prêter davantage. Tout ceci crée l'idée fausse que l'argent vient des dépôts. À moins que chaque prêt successif ne soit déposé à la même banque, aucune banque ne peut prétendre avoir multiplié sa réserve initiale de presque 90 fois uniquement par des crédits bancaires. Mais il faut bien comprendre que le système bancaire est un circuit fermé. Un crédit créé dans une banque devient un dépôt dans une autre banque et vice-versa. En fin de compte, l'effet est grosso modo le même que si tout se passait dans une seule et même banque. En résumé, la réserve initiale d'un peu plus de 1 111 $ à la banque centrale permet de récolter des intérêts sur des sommes allant jusqu'à 100 000 dollars, que la banque n'a jamais eu. Ça vous semble absurde? Écoutez un peu. En quelques décennies, à cause du lobbying féroce des banques, les obligations de réserve ont quasiment disparu dans plusieurs pays. Et les ratios actuels de réserve peuvent être bien plus élevés que 9 pour 1. Pour certains types de comptes, 20 pour 1. Et même 30 pour 1 sont tout à fait communs. Plus récemment encore, les banques ont trouvé le moyen de complètement contourner les obligations de réserve en faisant payer des frais de dossier en plus du capital prêté. Alors, bien que les règles soient compliquées, la réalité est toute simple. Les banques peuvent créer autant d'argent qu'on est capable d'en emprunter. En dépit des images qu'on nous montre, l'argent créé par le gouvernement représente en général moins de 5% de l'argent en circulation. Aujourd'hui, plus de 95% de l'argent a été créé par quelqu'un qui a signé une reconnaissance de dette à une banque. Ces crédits bancaires apparaissent et disparaissent en quantité phénoménale tous les jours, au fur et à mesure que des prêts sont accordés ou rembourser. Les banques ne peuvent utiliser ce genre de système qu'avec la coopération des gouvernements. Premièrement, les gouvernements passent des lois qui imposent l'utilisation de la devise nationale. Deuxièmement, les gouvernements permettent que les crédits créés par les banques privées
soient payables dans leur devise nationale. Troisièmement, les cours de justice gouvernementales font respecter les obligations de paiement des dettes. Et enfin, les gouvernements adoptent des règlements qui assurent le fonctionnement et la crédibilité du système monétaire sans rien faire pour informer le public de l'origine véritable de l'argent. La simple vérité, c'est que quand on signe les papiers d'un emprunt ou d'une hypothèque, la seule chose réelle est notre reconnaissance de dette. Cette reconnaissance de dette est garantie par nos actifs qui seront confisqués si on ne peut pas payer les remboursements. Pour toute personne qui croit que nous allons honorer notre promesse, cet accord de prêt ou d'hypothèque est maintenant un papier échangeable et vendable. Ce papier représente une forme d'argent. L'emprunteur obtient de l'argent grâce à son soi-disant prêt bancaire. Dans le monde réel, un prêt implique que le prêteur a quelque chose à prêter. Si vous avez besoin d'un marteau, ma promesse de vous prêter un marteau que je n'ai pas ne vous servira strictement à rien. Mais dans le monde artificiel de l'argent, la simple promesse faite par une banque de vous prêter de l'argent est considérée comme de l'argent véritable. Ici encore, la vérité est simple. Sans le document signé par l'emprunteur, le banquier n'a rien du tout à prêter. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment tout le monde, les gouvernements, les entreprises, les familles, peut être endetté en même temps et pour des sommes aussi colossales? Est-ce que vous vous êtes demandé comment il peut y avoir autant d'argent à emprunter? Maintenant, vous le savez. Il n'y en a pas. Les banques ne prête pas l'argent, elle le crée, et c'est de l'argent dette. Comme la dette est potentiellement illimitée, la quantité d'argent créée est illimitée, elle aussi. Mais l'inverse est vrai également. Vous n'êtes pas étonné qu'en dépit de toutes nos ressources, toutes nos inventions et toute notre productivité, nous soyons presque tous si lourdement endettés, aussi bien les gouvernements que les entreprises et les particuliers? Ah, si seulement les gens cessaient de se demander « Comment est-ce possible ? » Comment se peut-il que les gens qui produisent toute la richesse réelle soient endettés envers les gens qui ne font que prêter de l'argent, symbole de cette vraie richesse? Le plus étonnant, c'est qu'une fois que nous réalisons que l'argent est en fait une dette, nous comprenons que sans dette, il n'y aurait pas d'argent. Si toute cette explication est nouvelle pour vous, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens s'imaginent que si toutes les dettes étaient payées, la situation économique irait beaucoup mieux. C'est sûrement vrai au niveau individuel. Quand on a remboursé ses prêts, on a davantage d'argent à dépenser. Mais il est faux de croire que s'il n'y avait plus de dettes, il y aurait davantage d'argent à dépenser. En fait, c'est tout le contraire. Sans dettes, il n'y aurait pas d'argent du tout. Alors, vous voyez, nous dépendons complètement du renouvellement continu du crédit bancaire. Pas de prêt, pas d'argent. C'est exactement ce qui s'est passé durant la Grande Dépression. La quantité d'argent a fondu radicalement quand la quantité des prêts a chuté.
Il faut bien souligner que les banquiers créent uniquement le montant du principal. Ils ne créent pas l'argent qui sert à payer les intérêts. Alors, d'où vient cet argent? Le seul endroit où les emprunteurs peuvent obtenir de l'argent pour payer les intérêts est l'ensemble des fonds de l'économie générale. Mais presque tous ces fonds ont été créés de la même façon, à partir des emprunteurs bancaires. Donc partout, il y a des emprunteurs qui se trouvent dans la même situation. Ils cherchent désespérément l'argent pour rembourser le principal et les intérêts dans une réserve globale d'argent qui ne contient que le principal. Il est tout à fait impossible pour tout le monde de payer le principal plus les intérêts, car l'argent des intérêts n'existe pas. Une formule mathématique simple le montre. Le grand problème, c'est que pour les emprunts à court terme, comme les hypothèques et les emprunts gouvernementaux, où les intérêts dépassent de loin le principal, les risques de saisie et donc les dangers pour l'économie sont très grands, à moins de créer beaucoup d'argent pour payer les intérêts. Pour que la société continue de fonctionner, le taux des saisies doit rester bas. De plus en plus de nouvelles dettes doivent être créées pour trouver l'argent qui servira à payer les dettes précédentes. Alors bien sûr, la dette totale augmente, et les intérêts aussi, ce qui cause une escalade exponentielle de l'endettement. Seul le temps qui sépare la création des nouveaux emprunts et leur remboursement empêche le manque d'argent global de mettre le système en faillite. Mais pendant que le monstre du crédit bancaire grossit, le besoin de créer toujours plus d'argent pour le nourrir devient toujours plus urgent. Pourquoi les taux d'intérêt sont-ils si bas? Pourquoi recevons-nous des cartes de crédit que nous n'avons jamais demandées? Pourquoi est-ce que le gouvernement dépense plus vite que jamais? Est-ce que ce ne serait pas pour éviter l'effondrement de tout le système monétaire? On peut donc se demander, est-ce que ça peut continuer infiniment? Est-ce qu'un effondrement n'est pas inévitable? L'argent facilite la production et le commerce. Quand la quantité d'argent augmente, l'argent perd progressivement de sa valeur. C'est l'inflation. À moins que le volume de production et de commerce dans le monde réel augmente proportionnellement pour compenser cette augmentation. Ajoutez à cela que quand on parle d'une croissance économique de 3% par an, par exemple, on pourrait croire que c'est un taux constant. Eh bien, pas du tout. Les 3% de cette année représentent plus de matériaux, plus de produits, plus de services que les 3% de l'année précédente, car il s'agit de 3% d'un nouveau total. Ce n'est donc pas une ligne plate, continue, mais une courbe exponentielle de plus en plus raide. Le véritable problème est qu'une croissance perpétuelle de l'économie réelle exige une escalade perpétuelle de la consommation des ressources et de l'énergie. De plus en plus de choses doivent passer de l'état de ressources naturelles à celui d'ordures, année après année, juste pour éviter l'effondrement du système. La situation est grave. Très grave. Alors quoi faire? Pour commencer, un concept radicalement différent de l'argent s'impose. Le temps est venu pour les gens de se poser 4 questions simples et de les poser à leur gouvernement. Partout dans le monde, les gouvernements empruntent de l'argent avec intérêt aux banques privées. La dette gouvernementale est une composante majeure de la dette globale. Et une énorme partie de nos taxes va au paiement de cette dette. Maintenant, nous savons que les banques créent l'argent qu'elles prêtent
et que les gouvernements les autorisent à le faire. Nous savons aussi que les gouvernements créent les devises par décret et qu'ils ont au moins le même droit que les banques de créer leur propre argent. Alors, première question. Pourquoi est-ce que les gouvernements choisissent d'emprunter de l'argent aux banques privées avec intérêt quand ils pourraient créer tout l'argent qu'il leur faut sans intérêt? Deuxième question. Pourquoi créer de l'argent à partir du processus de dette? Pourquoi pas créer de l'argent qui circule en permanence et qui ne doit pas sans cesse être réemprunté pour exister? Troisième question. Comment un système monétaire fondé sur l'accélération perpétuelle de la croissance peut-il servir à construire une économie durable? N'est-il pas évident qu'une croissance en accélération perpétuelle est incompatible avec la durabilité? Et finalement, pourquoi notre système actuel dépend-il entièrement d'une croissance perpétuelle? Que faut-il changer pour créer une économie durable? À une certaine époque, faire payer un intérêt quelconque sur un emprunt était qualifié d'usure et était passible de sanctions très sévères, allant jusqu'à la peine de mort. Chaque grande religion interdisait l'usure. La plupart des arguments avancés contre l'usure étaient d'ordre moral. La seule finalité légitime de l'argent était de faciliter les échanges de biens et de services réels. Toute tentative de gagner de l'argent avec de l'argent était considérée comme un mal ou même comme un vol. Mais comme les besoins de crédits commerciaux augmentaient, les arguments moraux ont fini par céder. On en est venu à dire que prêter de l'argent constituait un risque pour le prêteur et qu'il était donc justifié de faire des profits sur un prêt. Aujourd'hui, ces notions semblent dépassées. Faire de l'argent avec de l'argent est considéré comme un idéal à poursuivre. Pourquoi travailler si on peut faire travailler son argent pour soi? Ceci dit, quand on parle d'avenir durable, il est clair que faire payer des intérêts constitue un problème d'ordre moral et d'ordre pratique. Imaginons une société capable de durer des siècles parce qu'au lieu de piller ses ressources, elle consomme uniquement ce qu'il lui faut dans l'immédiat. On ne coupe pas plus d'arbres qu'il n'en pousse. Toute l'énergie est renouvelable, solaire, gravitationnelle ou géothermique, magnétique ou autre. Cette société vit dans les limites de ses ressources non renouvelables, en réutilisant et en recyclant tout. Et la population n'augmente pas en nombre. Cette société ne pourrait jamais fonctionner avec un système monétaire qui dépend complètement d'une croissance en accélération perpétuelle. Une économie stable aurait besoin d'une quantité d'argent qui puisse rester stable. Imaginons que cette quantité totale d'argent stable est représentée par ce grand cercle. Imaginons aussi que les prêteurs doivent vraiment avoir de l'argent à prêter. Si des prêteurs à l'intérieur de ce cercle commencent à prêter de l'argent avec intérêt, leur part d'argent va s'agrandir. S'ils continuent de prêter, toujours avec intérêt, l'argent remboursé, quel sera le résultat? Que l'argent vienne de l'or, d'un décret gouvernemental ou d'une dette, les prêteurs vont s'accaparer la totalité de l'argent. Et après toutes les saisies, toutes les faillites, ils seront propriétaires de tous les biens immobiliers. Pour régler ce problème, il faudrait que les gains résultant des prêts avec intérêt soient distribués également parmi la population. Une taxation lourde des bénéfices bancaires pourrait être une solution. Mais alors,
Quel intérêt les banques auraient-elles d'être en affaires? Si nous pouvions un jour nous libérer de cette situation, nous pourrions imaginer les banques comme des services sans but lucratif, qui travailleraient au service de la société. Les banques verseraient des dividendes universels aux citoyens ou prêteraient carrément sans intérêt du tout. Si tous ces problèmes viennent de la nature fondamentale du système, inutile d'essayer de bricoler le système. Il faut le remplacer. Beaucoup de critiques réclament un retour à l'étalon or, disant qu'il a fait ses preuves de fiabilité. Ils ignorent les arnaques qui peuvent être commises avec l'or. Limer les pièces, altérer le métal, le déprécier, accaparer le marché. Bref, toutes les pratiques déjà utilisées du temps de l'ancienne Rome qui ont contribué à sa chute. Certains préconisent un étalon argent, car ce métal est plus abondant que l'or, ce qui rend plus difficile le monopole du marché. Mais beaucoup de gens questionnent la pertinence de revenir aux métaux précieux. L'idée de porter de gros sacs pleins de pièces n'enchante personne. L'argent papier, l'argent numérique, le plastique, ou plus probablement l'argent biométrique, seront les moyens d'échange. Et ils présentent ce potentiel de créer de l'argent dette en quantité illimitée. En définitive, si l'or était à nouveau le seul étalon, tous les gens qui n'ont pas d'or se retrouveraient tout à coup sans argent. D'autres partisans des réformes monétaires ont conclu que l'avarice et la malhonnêteté sont les principaux problèmes et qu'il y a sans doute de meilleurs moyens de créer un système monétaire équitable et honnête sans passer par l'argent ou l'or. Des esprits ont proposé une variété de... Beaucoup de systèmes de troc privés créent de l'argent dette, mais ils le font ouvertement, sans intérêt. Un exemple est le système de troc, où la dette est exprimée en promesse d'heures de travail. Tout travail est évalué de manière égale, en dollars, qui ont une équivalence en biens réels. Les frais du système sont couverts par des honoraires et non pas par des intérêts. Ce genre de système monétaire peut être mis en place par toute personne capable de concevoir un moyen de comptabiliser et de trouver des participants dignes de confiance. Mettre en place un système de troc local est une bonne mesure de planification d'urgence pour une communauté, même si ce système n'est guère utilisé actuellement. La réforme monétaire, comme la réforme électorale, est un vaste sujet qui exige une volonté de penser autrement et de changer. La réforme monétaire, comme la réforme électorale, ne sera pas facile, car les intérêts puissants qui bénéficient du système feront l'impossible pour conserver l'avantage. Sachant que l'argent n'est qu'une idée, et qu'en réalité, l'argent est uniquement ce qu'on fait de lui, voici une option simple à considérer. Le modèle suivant est basé sur des systèmes qui ont fait leurs preuves en Angleterre et en Amérique, mais qui ont été déstabilisés et détruits par les banquiers et leurs réserves fractionnelles. Pour créer une économie basée sur de l'argent permanent et libre d'intérêt, il suffirait que le gouvernement crée de l'argent et le dépense dans l'économie.
de préférence dans des infrastructures durables, comme les routes, les chemins de fer, les ponts, les ports et les marchés publics. Cet argent ne serait pas de l'argent dette, ce serait de l'argent valeur, qui aurait la valeur des infrastructures financées. Si ce nouvel argent facilitait une croissance proportionnelle du commerce, il ne causerait pas d'inflation du tout. Mais si les dépenses gouvernementales causaient l'inflation, deux interventions seraient possibles. L'inflation équivaut en fait à une taxe forfaitaire sur l'argent. Que l'argent perde 20% de sa valeur ou que le gouvernement nous taxe de 20%, l'effet sur notre pouvoir d'achat est exactement le même. Vu de cette manière, l'inflation pourrait remplacer la taxation, à condition de rester limitée et d'être utilisée à bon escient. Le gouvernement pourrait aussi choisir de lutter contre l'inflation en percevant des taxes qu'il retirerait ensuite de la circulation, réduisant ainsi la quantité d'argent pour restaurer sa valeur. Pour contrôler la déflation, c'est-à-dire la chute des salaires et des prix, il suffirait que le gouvernement dépense plus et mette plus d'argent en circulation. Sans la concurrence des dettes privées, les gouvernements auraient le contrôle des réserves d'argent de la nation. Le public serait donc qui blâmer si les choses allaient mal. Les gouvernements prendraient le pouvoir ou perdraient le pouvoir en fonction de leur capacité à maintenir la valeur de l'argent. Les gouvernements fonctionneraient surtout grâce aux taxes, comme maintenant. Mais ces taxes auraient beaucoup plus de pouvoir financier, puisqu'il n'y aurait plus d'intérêt à payer. Il n'y aurait plus de dette nationale si le gouvernement crée uniquement l'argent dont il a besoin. Notre servitude collective et perpétuelle envers les banques, à cause de la dette gouvernementale, prendrait fin. On nous a trompés. Ce qu'on appelle démocratie et liberté sont devenus en réalité une forme ingénieuse et invisible de dictature économique. Aussi longtemps que notre société dépendra du crédit bancaire pour son apport d'argent, les banquiers continueront de décider qui reçoit de l'argent ou pas. Peu de gens savent aujourd'hui que l'histoire des États-Unis, depuis la Révolution de 1776, a été en grande partie une lutte épique pour se libérer du contrôle des banques mondiales dominées par les Rothschild. Cette lutte a finalement été perdue en 1913, quand le président Woodrow Wilson a signé la loi de la réserve fédérale, donnant le pouvoir de créer l'argent américain à un cartel de banques internationales.
Le pouvoir de ce système est profondément ancré. Et le silence des médias et du monde de l'éducation à ce sujet est profond, lui aussi. Il y a des années, un vice-premier ministre du Canada a fait un sondage informel auprès de nombreux professionnels bien éduqués et auprès de simples citoyens. Il a constaté qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment comment l'argent était créé. En fait, on peut probablement dire que la majorité des gens, y compris les simples employés des banques, n'ont pas réfléchi à la question. Et vous ? Le système moderne de l'argent-dette est né il y a un peu plus de 300 ans, quand la première banque d'Angleterre a été créée par une charte royale, lui autorisant des prêts fractionnels de dépôt d'or au ratio de 2 pour 1. Ce modeste ratio était le premier pas. Le système est maintenant mondialisé. Il crée des quantités virtuellement illimitées d'argent à partir de rien. Et presque tout le monde sur la planète est enchaîné à une dette sans cesse grandissante, qui ne pourra jamais être repayée. Est-ce que tout cela serait arrivé purement par accident? Ou est-ce qu'il y a conspiration? De toute évidence, l'enjeu est considérable.